Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes samedi et aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. On chante? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Elsa. Joyeux anniversaire. On va passer une belle journée. Ouais, grave. Heureusement. Ah ouais, carrément. Oui, en rangement, oui, c'est vrai, parce qu'on va commencer la journée avec le rangement de leur chambre. Ouais, grave. Ça, c'est mon petit cadeau spécial anniversaire. Ouais, grave. Ouais, Jaco, il a fripouille, il a du chocolat sur les dents. Grave. Et moi, je voudrais un verre et un bol. C'est comme ça qu'on demande. Maman, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Bon les amis, il est 15h, je viens de rentrer, les enfants sont partis chez Eric, donc depuis 14h15. Ce matin, on a fait ce qu'on avait prévu de faire, c'est-à-dire le rangement de la chambre des grands. Donc ils ont très bien fait leur part, hein. Ils ont rangé leur chambre eux-mêmes en fait. J'ai juste dit, voilà, vous faites ça, 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 et puis voilà. Et tout a été fait, donc très bien. Et puis moi, je suis allée prendre ma douche, je me suis préparée... On a mangé d'abord, j'ai pris ma douche après. Et en fait, Eric m'avait dit « je t'appelle quand je me réveille ». Sauf qu'en fait, il m'a pas appelé. Donc à 13h, je commençais à m'inquiéter. Ne le voyant ni arriver, ni téléphoner, j'ai appelé. Et là, il m'annonce qu'en fait, il vient de se lever. Sauf qu'il n'avait pas du tout la voix du réveil. Donc, pour être honnête, je ne le crois absolument pas. Je ne pense pas qu'il venait de se lever. C'est mon avis perso. Hein. Peut-être que c'était le cas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, je pense qu'il m'a menti et que en fait, il s'était posé chez lui et qu'il n'a pas vu l'heure passer et c'était sa façon de justifier. Bref, du coup, il est arrivé à la maison, il était moins 10, je crois, à peine, moins 5 même. Donc, bah, moi, je suis partie en retard, donc je me suis dépêchée. Puis en fait, une fois arrivée là-bas, bah, j'étais un petit peu déçue parce que j'y suis allée pour en fait demander des conseils pour apprendre à dessiner mes sourcils et tout. Et je m'attendais à ce que on me montre en fait comment faire. Et elle me dit, ben non, mais vous avez pris rendez-vous pour une teinture de sourcils. Je fais, non, mais vous voyez bien que j'ai pas besoin d'une teinture de sourcils. Enfin, elle m'a expliqué, en fait, la teinture de sourcils, c'est vraiment pour les personnes qui se colorent les cheveux. C'est mon cas, mais moi, la teinte de mes sourcils continue, enfin, va toujours bien avec ma teinte de cheveux. Donc, pour le moment, j'ai pas besoin de faire une teinture de sourcils, quoi. C'est par exemple quelqu'un qui est roux et qui se teint en brune, bah, du coup, on va lui teindre des sourcils en brune, quoi. Et moi, c'était pas du tout ça que je voulais. Et donc, du coup, elle m'a dit, bah oui, mais vous aviez pris rendez-vous pour ça. Du coup, pour faire un diagnostic, il faut plus de temps. Et puis, parce qu'en fait, elle prend le temps de démaquiller le sourcil, de l'étudier, de le redessiner elle-même. Et puis après, d'expliquer la méthode, de montrer les produits qu'il faut. Donc, évidemment, il y aurait eu une vente derrière. Enfin, bref. Et donc, du coup, tout ça, c'était pas prévu dans le rendez-vous. Donc, j'y suis allée pour rien. Alors, je suis pas vraiment allée pour rien parce que du coup, je me suis arrêtée chez Orchestra. J'ai acheté un petit cadeau pour la petite Léonore que je vais voir demain. Et comme ça, c'est fait. Et du coup, là, je suis rentrée à la maison. Donc, je vais m'activer à faire mon ménage. Je vais tourner la vidéo Back to School. Je vais faire le montage du vlog d'aujourd'hui jusqu'au plus loin que je pourrai, puisque après l'anniversaire sera filmé ce soir, donc je le ferai en rentrant. Mais si au moins je peux avancer le montage, ça me fera aller me coucher moins tard ce soir, puisque du coup demain matin je vais à l'église, donc je me lève de bonne heure. Et il faut aussi que je prépare ma leçon, puisque à l'église le dimanche matin j'enseigne des petits de 4 ans, de 5 ans maintenant, ils ont grandi. Donc voilà, donc il faut que je prépare une petite leçon qui soit intéressante. Voilà. Et bien sur ce, j'ai du boulot. Donc il faut que je me dépêche parce que il faut que je parte de chez moi vers 19h15
pour aller chercher Anaïs et on file directement chez Eric. Finalement, on ne va pas sortir. On ne va faire ni Burger King, ni ciné, ni bowling, ni McDo, ni rien du tout. Eric va aller chercher des pizzas et on va se faire une soirée juste nous en famille chez Eric, puisque après réflexion, on a quand même dépensé pas mal d'argent pour cet anniversaire, puisque moi de mon côté, comme vous le savez, je lui ai acheté un portable qui m'a quand même coûté 90 €. Alors en soi, pour un portable, vous allez me dire c'est pas cher, hein, mais en même temps j'ai pas pris une balle de guerre non plus. J'ai pris un Huawei, enfin c'est Honor, mais du coup c'est apparemment Honor, c'est Huawei. Le Honor 7S, si je me trompe pas. Et c'est le copain d'Anaïs qui me l'avait conseillé, donc je lui ai pris ça. J'ai pris un verre trempé, je lui ai pris une coque, et donc tout ça j'en ai eu pour 90 € déjà. Et puis Eric lui offre une journée au Futuroscope, donc ils partent tous les deux, et lui c'est pareil, il en a eu pour 80 € aussi. Donc en sachant que nous, si on va tous ensemble au Burger King, on en a pour 50 € quasiment. Bah, ça commençait à faire un budget et je me dis, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça en plus des cadeaux? Je sais pas, parce qu'à la base, je vais expliquer, parce que vous allez me demander pourquoi dépenser autant d'argent pour un anniversaire, pardon. C'est vrai, en temps normal, on dépense pas autant d'argent pour un anniversaire et en fait, avec Eric, on avait pris de nouvelles résolutions. C'était que à partir de maintenant, on ne ferait plus de cadeaux en fait à nos enfants. On leur offrirait plutôt une journée en famille, en fait, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, on les aurait emmenés dans une aire de jeux géante, ou alors on se serait fait une journée ciné-resto, mais tous ensemble, en fait. Donc, ça représentait un budget, donc on avait dit, le cadeau, ça sera vraiment de partager un moment tous ensemble en famille. Sauf que, bah, vu qu'on s'est séparés avec Eric, on a un budget séparé maintenant et que il m'en a pas reparlé, donc j'ai pas osé en reparler non plus. Donc, bah, du coup, j'ai fait un cadeau de mon côté, il a fait un cadeau de son côté, et puis bon, on fait quand même en sorte de le fêter ensemble parce que c'est important. Mais voilà, c'est comme ça. Ça sera pas à la hauteur de ce qu'on avait espéré. Voilà. Donc, du coup, bah, ça nous a coûté plus cher que ce qu'on espérait aussi. Donc voilà, donc bah du coup ce soir je prends Anaïs et on file chez Eric, et quand on va rentrer de chez Eric, Anaïs file en soirée. Donc demain matin je me prépare seule pour aller à l'église, donc je vais pouvoir me lever un peu plus tard, ça c'est cool. Et puis demain après-midi, bah j'irai voir ma copine Emeline. Du coup faut que je vois avec Anaïs quand est-ce qu'elle pourra me couper les cheveux. Je pense qu'elle le fera lundi, puisque en fait elle va ramener ce soir ses ciseaux, puisque lundi, elle doit couper les cheveux du fils de ma copine Caro, qu'elle aurait normalement dû recevoir au salon vendredi, mais que finalement, c'est pas possible. Elle peut plus, en fait, prendre de modèles au salon. Donc, du coup, elle ira lui couper les cheveux chez elle, enfin, chez lui, pour le petit. Et ça sera aussi bien comme ça. Donc, bah, comme elle aura ses ciseaux avec elle, je pense qu'elle me coupera les cheveux à la maison lundi, puisqu'elle ne travaille pas lundi. Voilà. Et bien du coup c'est parti, je vais tuer la mouche qui me tourne autour, elle me saoule, et je vais m'atteler à faire d'abord les vidéos et ensuite je ferai le ménage, parce que je veux être sûre. Le ménage je peux encore le faire demain si vraiment, alors que les vidéos c'est plus compliqué de trouver le temps et de se poser et d'organiser tout ça, donc je préfère commencer par ça et je ferai le ménage après j'ai jusqu'à 19 h pour le faire, donc ça va. Donc bah c'est parti, je m'installe. Bon, les amis, il est 6h25, il me semble. J'ai tourné la vidéo de Back to School, mais ça aurait été trop beau que ça se passe sans qu'il y ait un problème. Comment vous dire? Mon ordinateur a encore... En fait, non, il n'a pas planté, mais j'ai reçu un appel pendant le chargement du fichier, ce qui fait que le fichier a encore planté. Et j'essaye de le réimporter. Il veut plus le prendre. Il me dit échec. Enfin, il me dit que mon fichier ne peut pas être importé. Enfin, bref, ça me gonfle. Donc, si ça me fait ça à chaque fois, ça va commencer à être saoulant. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. J'ai regardé sur Internet. Je trouve pas de réponse à ma question.
Je comprends pas. Donc je pense que je vais être obligée de refilmer la fin de la vidéo. Donc il faut que je la re-regarde pour voir ce que je disais dessus, pour pouvoir redire la même chose. Donc je pars que dans une heure, donc j'ai encore un petit peu de temps, sauf que du coup j'ai pas fait de ménage, donc j'ai perdu trop de temps avec ce truc, ça m'a saoulée. Bon, après le ménage je peux le faire demain, c'est pas un problème, mais c'est pénible. Donc je suis partie pour re-regarder ma vidéo, pour la refaire. C'est lourd. Bon les amis, j'ai un gros problème. Il est 19h10, donc je m'en vais récupérer Anaïs et puis ensuite on part chez Eric. Mais j'ai pas solutionné mon problème de vidéo. J'ai refilmé la vidéo, ma vidéo Back to School. Je l'ai refilmée et je ne peux toujours pas la transférer. Donc je ne comprends pas. Est-ce que c'est la durée en fait du fichier qui fait que peut-être que la vidéo est trop longue et que c'est pour ça qu'il veut pas la prendre. Je ne sais pas. Mais ça m'agace. Clairement, ça m'agace parce que si je trouve pas de solution, ça va être compliqué pour les vlogs à venir. Donc, c'est pénible. Je vais essayer de voir ça en rentrant tout à l'heure. Déjà, en essayant de faire celle du vlog, déjà. Et après, j'aurai toute ma soirée de demain encore pour penser à la vidéo de lundi, mais j'espère vraiment que ça va pas me poser de problème et que je vais pas devoir la retourner encore une fois, enfin la refilmer, je voulais dire, parce que j'ai pas que ça à faire, quoi. Donc, et comme je ne sais pas comment couper une vidéo en deux sans en perdre la moitié, bah du coup, voilà, je sais pas. Parce qu'en fait, je crois que mes deux vidéos font toutes les deux plus de 20 minutes. C'est peut-être ça, je me dis peut-être qu'on ne peut pas transférer une vidéo de plus de 20 minutes, mais ça m'étonne. Enfin, de Apple à Apple, je comprends pas que ça fonctionne pas, quoi. Donc, est-ce que c'est mon ordi qui commence à déconner parce qu'il est quand même très vieux et très abîmé? Ou bien, est-ce qu'il y a un problème de, je sais pas, de paramétrage, de configuration, de synchronisation entre les deux modèles? Je sais pas. Mais du coup, ça m'agace. Voilà. Bon bah sur ce, je vous laisse. Je vais chercher Anaïs et puis je filmerai. Ah non, il faut que je retourne à la maison, j'avais oublié le cadeau d'Elsa. Non mais la quiche, c'est un petit peu pour ça que je pars. Hop là. Pendant que Eric fait à manger, que les enfants crient. Je veux pas que tu me casses. Mais arrête, tu la mets pas bien. Voilà. Et j'ai fait une petite presse. Maison par Anaïs. Heureusement que je suis une coiffeuse et que j'ai toujours un élastique sur moi. C'est ça. En plus, c'est bien comme ça, j'ai plus les cheveux dans les yeux. C'est ça. C'est madame. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
petite pépette d'amour. Pépetounette. Allez, souffle les bougies parce que passé, le gâteau il est pas mangeable alors. Ah, allez, souffle. Tu l'as, vas-y, tu l'as, ouais. Bravo, Pépé. Hey, il est minuit. Mais oui, et je fais seulement la clôture du vlog. Alors, déjà, j'ai passé pas mal de temps chez Eric. On est rentré à 23h avec Anaïs. Du coup, de 23h à 23h30, voilà. On est même rentré après 23h parce que j'ai commencé le montage du vlog, je l'ai commencé à 23h30. Donc, on a dû rentrer vers 20, je pense, à peu près. Donc, nous avons passé une très bonne soirée. Elle a été très contente de son cadeau, même si j'avoue que moi, je suis hyper déçue, en fait, du téléphone que j'ai acheté. Parce que en fait, je pense qu'il est, c'est un vieux modèle. En fait, moi, j'avoue, j'y connaissais rien du tout. C'est le copain d'Anaïs qui m'a dit de prendre ce modèle-là. Je me suis dit, c'est un Jones, il doit savoir de quoi il parle. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est un téléphone de bras. Clairement, je m'attendais pas à avoir acheté une balle de guerre, mais quand même. Mais non, là, c'est vraiment, il rame à mort, quoi. Elsa, elle a trouvé un jeu. Il y avait un jeu sur son téléphone. Elle a voulu jouer. Et en fait, ça lui mettait télécharger la nouvelle version, donc enfin la mise à jour. Donc, elle télécharge la mise à jour. Et en fait, ça ne peut pas aboutir. Je ne sais plus. Tu ne peux pas télécharger cette mise à jour sur ce téléphone. Enfin, je sais plus ce que c'était écrit. Je me suis dit, bah super. Déjà, elle est limitée en termes de service. Donc... je suis un petit peu déçue par mon achat, mais bon, elle est contente d'avoir un portable. L'essentiel, c'est que moi, je puisse la joindre, surtout. Après, pour le reste, on verra pour les options, les machins et trucs. Certainement que... on verra pour son anniversaire l'année prochaine, peut-être, pour lui en offrir un autre plus performant, peut-être. S'il tient jusque-là, parce que clairement, il a l'air d'être très limité en termes de capacité. Donc bon, on verra bien. En tout cas, elle est contente, elle a un portable, elle va avoir le numéro de ses copines, ça sera très bien pour elle. Du coup, je lui ai installé Spotify, puisque je sais plus si j'en ai parlé, mais en fait, j'avais installé Spotify, j'avais un abonnement Spotify pour moi toute seule à 9,99€. Et Anaïs, en fait, m'a demandé si je l'autorisais à souscrire elle aussi un abonnement. Et là, je me suis dit, bah attends, c'est ridicule. Pour 5€ de plus, on a un abonnement familial, quoi. Donc, j'ai dit à Anaïs, écoute, je prends les 5€ pour moi. On va payer 14,99€ au lieu de 9,99€. Mais du coup, comme je savais qu'Elsa allait avoir un portable, du coup, l'option famille, je peux ajouter autant de membres que je veux. Donc, du coup, bah j'ai ajouté Elsa également. Donc, elle a Spotify sur son téléphone. Et ça, c'est pareil, elle serait très contente. Même Com était content. Il lui a dit, ouais, tu vas pouvoir nous mettre la musique dans la chambre et tout. Sauf que le téléphone n'est pas autorisé dans la chambre. Donc, je lui ai précisé parce que je sais très bien que sinon, elle va aller s'enfermer là-haut et elle va passer tout son temps sur le téléphone. Donc, c'est juste hors de question. Donc, je lui ai dit, le téléphone, ça sera en bas. Donc, sauf pour mettre de la musique. Mais du coup, je surveillerai quand même que... enfin, qui est la musique, mais qu'elle soit pas en même temps en train de jouer. Ce sera des choses que je surveillerai, mais en tout cas, elle était bien contente. Alors, vous avez pu entendre dans les vidéos que j'ai dit que de toute façon, le gâteau n'était pas mangeable. Et effectivement, le gâteau n'était pas mangeable. On a eu, Eric a eu un petit souci. En fait, Elsa voulait absolument un cheesecake. Il faut savoir que Eric faisait des cheesecakes excellents avec le Thermomix. Aujourd'hui, nous n'avons plus le Thermomix. Du coup, il a voulu le faire à la main. Et en fait, je sais pas, sa recette était pas bonne. Il a eu un problème avec les feuilles de gélatine. En fait, les feuilles de gélatine n'ont pas fondu. Normalement, elles fondent et se mélangent dans la préparation. Et là, en fait, elles n'ont pas fondu. Du coup, y avait des morceaux de gélatine dedans. C'était vraiment pas bon. Et en plus... la recette de base devait avoir un problème parce que la préparation n'était pas du tout sucrée, en fait. Alors que d'habitude, la crème de cheesecake, en fait, normalement,
elle est sucrée, quoi. Mais là, c'était pas sucré, donc vraiment, le goût n'était pas bon. Du coup, on a fini par manger des glaces. Donc, moi, j'ai mangé un Magnum blanc, Elsa aussi, Anaïs aussi, Adam aussi. Comme je ne sais pas ce qu'il a pris, je n'ai pas vu, Marceau avait pris un cône extrême Oreo, mais en fait, il a pas aimé. Eric avait pris un Magnum amande, mais du coup, comme Marceau n'a pas aimé le cône Oreo, il a récupéré le cône Oreo, il a donné son Magnum amande à Marceau. Donc, du coup, tout le monde était content, on a mangé des glaces au lieu de manger un gâteau. En soit, ça fait du gâchis alimentaire, malheureusement. Mais autrement, Elsa n'a pas été plus déçue que ça, puisqu'elle a quand même soufflé ses bougies, et c'était, je pense, ce qui était le plus important pour elle. Voilà, donc elle a passé une bonne soirée, elle était contente, elle a trouvé qu'on était parti un petit peu tôt, mais en fait, Adam et Marceau voulaient aller se coucher, et je ne sais pas pourquoi, Eric voulait absolument aller se coucher avec eux. Donc en gros, il nous a un petit peu mis à la porte, déjà il a passé toute sa soirée sur son téléphone, donc c'était pas très agréable pour nous, j'avoue. Moi, j'ai passé peut-être 10 minutes en début de soirée et après, je l'ai posé. Et quand je lui ai fait remarquer qu'il pourrait quand même être un peu plus avec nous plutôt que de passer sa soirée à envoyer des SMS, il m'a répondu « Bah attends, toi, t'as été sur ton téléphone pendant tout le temps, là, tout à l'heure, et je t'ai rien dit. » J'ai pas voulu qu'on se dispute, donc je n'ai rien rajouté. Mais bon, 10 minutes contre 3 quarts d'heure... ça se vaut pas. Bref, c'est pas grave. Je suis rentrée à la maison. Anaïs est partie en soirée, donc je suis toute seule toute la nuit, puisqu'elle ne rentrera que demain matin. Elle dort chez sa copine, Laurie. Et en fait, pendant que je faisais mon montage, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une lumière. Je me suis retournée et j'avais en fait une araignée que je trouvais, moi, assez balèze quand même. Qui était en fait dans le coin du plafond, donc en haut. Et comme ses copains étaient venus pour venir la chercher, puisque c'est eux qui l'emmènent du coup chez Laurie, puisque la soirée se fait chez Laurie, et du coup j'ai demandé à Antonin qu'il vienne m'écraser l'araignée. Et il était très gentil puisqu'il est venu le faire sans souci. Donc, merci Antonin. Je vous confirme que mon problème d'importation de vidéo, je pense que c'est dû à la durée de la vidéo. Je pense que plus de 20 minutes, ça passe pas. Et la deuxième vidéo que j'ai faite pour le back to school, elle fait 22 ou 23 minutes, je sais plus. Alors, ça compte des séquences que je coupe, en fait. Hein, mais voilà, dans la durée, elle fait 23 minutes. Donc, je ne pourrai pas l'utiliser. Il va falloir que je la refasse demain. Donc maintenant que je le sais, je n'aurai plus ce problème, mais en tout cas là j'ai importé mes vidéos de vlog sans aucun souci, tout comme ce matin d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment la durée de la vidéo qui pose problème. Voilà, mais bien sûr j'espère que cette petite journée avec nous, avec moi principalement, vous aura plu, puisque j'ai quand même filmé pas mal toute seule. Et bah, sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout le petit pouce. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait. Ça y est, le nombre d'abonnés a remonté. On est passé à 1180, enfin au-dessus de 1190. Donc c'est super cool. Je suis très contente. On arrive bientôt aux 1200. C'est chouette. Donc continuez à vous abonner. J'adore. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour que je vous poste la vidéo Back to School. Voilà. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Et oui, du coup, à demain, puisque demain, on sera lundi pour vous. Bisous, bisous!